De retour, pour jouer un mauvais tour. Alors, la fin de la, la publicité. Je suis toujours avec Brod. Salut. Et j'ai oublié d'enregistrer comme un gros bolos. Donc, pour ceux qui verront sur YouTube, ils n'auront pas vu la première partie. Voilà, il y a que 100 personnes qui ont vu la première partie, dont vous, petit Vénard. En gros, je disais que si vous vouliez jouer aux Sims, c'est très bien, mais l'achetez pas à 70 balles. Ça vaut vraiment pas le coup. On vous donnera un lien dans la description pour l'acheter moins cher. Il vaut le coup, pour, vis-à-vis du temps qu'on a passé dessus, à condition de l'acheter moins cher, parce que 70 balles ça va pas. 30-35 balles, là ouais, ça vaut le coup. On fera sûrement des guides aussi, parce qu'on a beaucoup farmé le jeu ce dernier week-end, un peu comme des gros porcas, et donc du coup on risque de faire des guides pour savoir voilà, comment se faire de la maille, bien réussir sa life, tout ça, être beau, rutilant, les cheveux qui brillent au vent. Donc ça c'est le genre de choses qu'on fera. Et donc, vous venez de rater dans cet épisode la construction de notre petit bunker. Voilà. En plus, c'est un entrepôt maintenant. Mais... qui ressemble à un entrepôt maintenant, plus qu'un bunker, malgré les fenêtres, voilà. Avec des petites cellules de prison où chaque streamer a une couleur bien à soi. Le rose, le vert, le bleu. Avec la petite boîte de mouchoirs et le petit lubrifiant à côté. Je suis sûr, des gens ils vont nous poser la question. Ah, vous avez trouvé le lubrifiant? C'est un distributeur de savon, hein, les mecs, ça va? Calme, hein. Faut imaginer un peu, hein. C'est comme dans Minecraft. Hein. Voilà. Imagination. Et on vous a juste montré aussi les techniques pour construire ça assez rapidement. Parce qu'au final, on a torché ça en une demi-heure, en mode on a quand même pris notre temps et tout. Voilà, c'était cool. Mais on s'est rendu compte qu'on a quand même oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. Mais avant ça, je vais quand même annoncer les résultats du sondage. Ah, oui, alors le sondage a un petit peu merdé, vu qu'on l'a mis directement dans la page d'administration avec les outils Gaming Room. Et en fait, les virgules, il a considéré que c'était un choix différent. Parce que j'avais mis genre « Ah, voter pour machin bidule, telle couleur, machin cette couleur. » Et ainsi de suite pour chaque question. Il y avait 4 questions, mais en fait, il les a multipliées bon, par 3. Donc voilà, c'est un peu la merde. Mais au final, ce qui en ressort dans les votes, car vous avez pu voter, et à tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, parce que vous n'avez pas le temps, et c'est pas bien, bah justement, vous auriez pu participer à ce magnifique vote, où les gens ont tous fait savoir que Pindé, alors, à quantité égale de votes, serait soit en salle rose, soit en salle verte, et comme on sait qu'il adore la proximité avec les autres gens, on va le mettre dans la salle verte. Ce choix est aussi dicté par le fait que vient tout de suite après Dap qui va dans la chambre rose, hein, histoire de pouvoir exposer un petit peu sa féminité malgré ses gros tatouages, et Nems dans la salle bleue, parce que il a eu moins de votes, tout simplement. Par élimination. Par élimination. Donc voilà. Gros big up, merci d'avoir voté. On fera des votes qui merdent pas la prochaine fois, et on en fera encore plein, vu qu'il va falloir qu'on fasse des nouveaux gens à chaque fois et qu'on remplisse les salles. Et à ce titre, un truc qu'on a oublié, bah c'est que là, ok, il y a une télé, mais il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de truc pour faire du sport, il y a juste de quoi faire la cuisine, donc voilà, il faudrait qu'on ait quand même un ordinateur et de quoi, voilà. Donc je me dis que là, on va pouvoir faire une grande salle, très vide, mais il va y avoir ça. Il va y avoir ordinateur, pourquoi pas du son, pourquoi pas du matos pour les muscles. Et après, ouais, il nous reste quand même que 2274 simflous, donc... Donc voilà, on va calmer un peu notre cul, mais voyons voir, ça fait combien? Déjà, voilà, ça fait déjà 700 flous. Hein. 700 flous. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de flous. On va prendre... est-ce qu'on a des portes ici qui pourraient... on a une porte pour Av ici, on va dupliquer celle-là. Hein. Ouais. C'est toujours la même. On va dupliquer, voilà, on va dupliquer celle-là. On va mettre en vis-à-vis. S'il te plaît. Voilà, une seule. Des vitres, il va nous falloir le même genre de vitres. Qu'on va poser exactement au même endroit, c'est-à-dire là. Là et. Il me semble là. Voilà. Maintenant, il va nous falloir. Alors, un éclairage, on va prendre le même que celui-là. On va mettre si possible au même endroit, donc là. Et maintenant il nous faut table, ordinateur. Alors on va dans bureau, pas salon, mais bureau. Non, bureau. Côté, bureau, 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 bureau. Alors une table toute pour Avos. On va la mettre contre. On la met là. Ou là en fait. Ouais. On la met un peu plus proche ici, plus dans un coin. Un coin. Une chaise pour Av. Pour enfant.
Une chaise... Ah non, c'est... Ah oui, ça, c'est une chaise pour enfants. À mon avis, ça passe pas sur le bureau. Il me semble que si, mais... Sinon, on met un truc comme ça, ça coûte à peine. Sinon, ça coûte le double, mais ça fait vraiment chaise de gamer, cher. Vu que tous les gamers prennent des chaises comme ça pour faire genre « Je suis le maître du monde », alors que c'est méga cheap. Allez, c'est gratos. Oh ! Et ouais. Non, on a déjà plus de thunes. Il faut qu'on revende des choses, là. On fout, moi. Il me faut un ordinateur tout pourrave comme ça. Il faut réduire la pièce, aussi. Non, il me faut une chaise à 80 balles. De quoi on prend le siège de salon, c'est pas possible. Nope. Mais je peux le revendre. Mais qui revend tout. Ouais, avoir une chaise. Et voilà, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un objet de sport pour 40 balles? Je pense pas. Non, donc, je pense pas. Je pense qu'on va rester là-dessus. Et commencer là. Alors, encore une fois, on a étraîné ce jeu pendant des heures et des heures ce week-end. Et ce jeu plante après des heures de jeu d'affilée. Donc, sauvegarder de temps en temps. Ça m'arrivait à moi, à ma chair et tendre, et voilà. Pour éviter de hurler. De basket dehors. Mais ouais, inconsciemment, tu voulais Nems dans la chambre bleue, t'as mis le même choix deux fois. Mais je l'ai mis plein de fois, le même choix deux fois. Ouais. Merci Miver, vous êtes mes bros. Donc, bah écoutez, on va prendre... Regarde combien un anneau de basket ça peut coûter. Donc dans basket non, dehors. Enfin... Dans le mobilier de dehors. Outside. Activité de dehors, là. Activité d'extérieur. Il y en a pas, en fait. Non, il y a pas. Il y a des barres... barres fixes. Des barres, des poubelles. Des super décorations murales d'extérieur. Oh la vache, en ouais, place. Tu peux te pendre aussi avec... non, c'est un enrouleur du d'arrosage. Très bien. Des batteries de cuisine, mais d'extérieur. Ok. Ok. Note. Bon. Ça arrive. Donc, eux sont prêts à commencer leur vie. On va admirer Dap, qui va quand même boire sa boisson énergisante. Ouais, yolo. Alors, pour que chacun trouve ses marques, je vais les faire dormir une fois. Chacun dans leur selle respective. Je sais pas si ça va marcher. Non, vert. L'incident diplomatique. Dormir. Voilà. Non, lui, c'est déjà fait. Il manque Dap. Dap qui a envie, cache, de faire du sport. Il va aller courir. Bah écoute, après, tu feras l'exercice. Après, tu iras courir. No problemos. Est-ce qu'il faut aller dehors? Non, en fait, il faut, voilà, faut aller loin et je crois qu'il faut marquer genre... Non, je sais. Il faut cliquer sur lui et il y a marqué genre « Allez courir ». Allez courir, voilà. Ah, Pané, il est à donf, là. Ouais, ouais, les locaux, ouais. Allez, on y va, on y va. Et Nem, tu fais quoi? Ah, il se change, déjà. Foutre. Ah, il s'est changé, voilà. Il s'est remis ça. Chacun a son petit lit. Hop, on va dormir. Oh, ils sont mignons. Ils sont mignons, regardez ça. Claquer le screen, les mecs. On va les regarder dormir. On va les regarder dormir et pas du tout se fapper. Il a de super chaussons, Nemch. Ah, regardez, ils dorment tous. Ils sont si c'est beaux. C'est mignon, hein. Ils sont beaux quand ils dorment. Ils sont en train de niquer leur journée, surtout. Alors qu'il n'y en a aucun qui est vraiment crevé, en fait. Ouais, il était ils sont un peu fatigous. Mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il est 15h, ils vont plus dormir après. Allez, Dap, va courir. Va courir et fais des pompes. Et tu vas faire la connaissance de Pandey après. D'exercice, vas-y, fais les pompes. Fais d'abord les pompes et après tu vas courir. Regardez, c'est super simple la manière dont ça gère. Hein. Hop, il fait des pompes, il gagne des points et ce genre de points ça permettra d'acheter des trucs de dingos. Des updates qui sont vraiment super intéressantes. Donc, jogging, énergisé. Moi je sais que ma Sims avec ça, je lui ai acheté genre. Elle a plus besoin de dormir, elle a une vessie d'acier. Donc. Bam! Ouais, abdos! Ah, je vais courir! Avec allez! Son petit cul moulé dans un short. Regardez ça comme il est beau. Il est salut, beau. Bitches! Ah ouais, on lui a rajouté des boucles d'oreilles aussi. Hein. Ouais. Ah, salut les camps! Ouais, salut, c'est Dap! Et vous voyez, chaque fois les compétences qu'il gagne, notamment fitness. Voilà, très bien. Il va courir, il est content, il va faire connaissance de Pindé, sentiment à propos de son intérêt avec quelqu'un. Voilà. Il va commencer à raconter sa life à tout le monde. Alors toi, t'es endormi. T'as envie d'aller pisser d'entrée de jeu. Ok. Écoute, tu vas aller pisser, grave, Pindé. Oh là là, je suis mal à l'aise, je dois faire pipi. Ouais, quand ils ont envie de faire pipi, ils marchent comme ça. Ils serrent leur petit cul. Ouais. Ils serrent leur petit cul. Il est trop chaud, sa mère. Je m'excite en ce Daf, il va se branler devant son cible en disant « Putain, mec, il a tellement une vie plus ouf que la mienne !» C'est bon, t'as déjà du lube dans ta chambre. Voilà. Alors, ce qu'on va tout de suite faire avec un mec comme Pinley, c'est qu'il va se chercher un boulot. On va à l'emploi.
Alors c'est super simple, acheter un instrument parce que t'es un créatif, améliorer compétences cuisine. Bah, tu vas faire ça après. Et tu vas cuisiner en mode servir le dîner pour tout le monde. Ah! Alors déjà... Ah oui, il était sur les chiottes. Alors ça, c'est pas mal, ils peuvent faire deux activités en même temps. Genre là, il faisait caca et en même temps, il cherchait un emploi. Donc très sympa, hein. Ce qui va te perdre, Gina. Et donc, culinaire, voilà! Donc il bosse plein de jours, il gagne Assistant leur de la vie. vaisselle. Et après, il pourra devenir soit chef, soit mixologue. Et il pourrait se mettre à faire des cocktails, moi je dis pour la Ouais, gère, plutôt que c'est d'être vrai. cuistot. C'est vrai que ça peut être C'est un peu plus plus coolos. sexy quand même. Et donc du coup, alors on peut tout de suite voir pour le boulot, performance, laver la vaisselle 3 fois. En fait, quand vous faites un boulot pour améliorer votre compétence et Pour avoir grimper une en promotion. supérieur, avoir une promotion, faut faire ça et être en bonne condition. Donc là, typiquement, faire la vaisselle 3 fois. Donc c'est Et quand simple, tu vous feras êtes la au vaisselle après, travail, il y hein. aura une icône sur la petite tête de votre personnage et vous pourrez soit travailler dur, soit parler avec vos collègues, soit vos maîtres travailler dur en général. C'est ce Voilà, qui et il va fonctionne mieux. faire un sandwich au fromage pour toute la GR. Voilà. Voilà. Parce qu'il est comme ça, Parce Pindé. qu'il est comme ça, Il a Pindé, le très cœur sur la sympa. main. Et là, il devait jouer d'un instrument. Alors, comme on n'a pas du tout de fric, il va pas en jouer d'instrument. Ce sera ça de moins à faire. Alors, lui, il doit faire connaissance de Pindé. Donc, moi, je mets beaucoup en pause le jeu, histoire de faire des trucs. Alors, il va y avoir plus de choix. Il faut qu'il s'enthousiasme aussi à propos des centres d'intérêt. En amical, S'enthousiasmer. à propos des centres d'intérêt et faire connaissance, c'est les deux qu'il doit faire. Voilà, on fait l'un, on va faire l'autre, et après il va regarder du sport à la télé. Putain, mais le Oh bolos putain. Et donc faire connaissance, c'est que... Voilà, et faire connaissance. Donc vous voyez, il va faire 1, 2, 3, et après, bam, regardez la chaîne. Sport! Allez, il manque plus que la bière et on sera parfait. Et de son côté, lui, bah pareil, Ah, il a envie de faire il a pipi aussi envie de aussi. faire pipi, donc on va attendre que Pindé se lave les mains. Pour faire à manger, c'est quand même plus sympa. Hop, utiliser les chiottes. Arrête de dormir. Et tu vas chercher un boulot. Pareil. Chercher un trou d'emploi. Hop, compétence cuisine pour Pindé. Pendant qu'il cuisine, normalement, il peut se faire parler. Enfin, il peut se faire parler, mais il peut parler. Oh là là! Eh, t'as vu, j'ai couru! J'ai couru, je suis trop dingue! Ouais, c'est cool, je fais des sandwichs au fromage. Pourquoi vous rigolez? C'est ma vraie vie. Alors, lui, on a dit. Alors, soit ça devient. Enfin, en même temps, il pourrait être vraiment un criminel. Hein. Criminel ou agent secret? Il n'y a pas star, en fait. S'il y a artiste, Artiste, ouais. musicien ou humoriste. Humoriste, en fait. Ouais. Est-ce qu'on met humoriste ou criminel, en fait? Humoriste. Ouais, oui. Non? Les deux sont valides. Les deux sont valides, hein, vu que c'est une rac... En fait, comme c'est une raclure, il y en aura d'autres qui seront, à mon avis, humoristes dans la Après, GR. on peut cumuler les carrières après. Ouais, on peut commencer par l'une et puis. Ouais, mais je le verrais bien en criminel, tu vois, branche patron, tu vois. Patron ou branche oracle. Je vois pas la différence, mais ok. Donc je le verrais bien en criminel d'abord, et puis après on a... Et puis vu qu'il y aura d'autres gars de la GR qui auront... Enfin, qui eux seront juste humoristes, tu vois. Ok, très bien. Vendu? Ça me Vendu. va. Lui, c'est le plus filou, tu vois, donc. Le plus filou. Le plus filou. C'est qui elle? On va te faire foutre. Et pourquoi elle fait la pute devant la porte? Bonjour! C'est ta voisine, tu Avec plein d'œil. Alors regardez, pareil. Alors j'arrête de discuter avec lui parce que voilà. Il a une option, appeler quelqu'un au téléphone. Quand vous avez ça, c'est super simple parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Vous faites discuter avec quand vous cliquez sur votre téléphone et rien que le fait de faire ça, voilà. Ah, il est déjà vénère avec quelqu'un. Genre il a couru, il a insulté quelqu'un d'app. Il est comme ça. Il est comme ça. Et regardez, il a fait la télé d'entrée de jeu. Bim, voilà. Et tu bouffes. C'est Alors, la parfait. meuf, elle voit tout le monde dans le salon, mais Mais tout le monde lui c'est dit pas du tout. Salut, reste dehors, connasse! Rien à Pas foutre du de tout ta gênant gueule! comme situation. Et Alors, Nems, Dems, il bien fait sûr, il est quoi? déjà sur l'ordi, en train de Il joue à jouer. Big Block, voilà. Genre le mec, il joue même pas à League of Legends. Tu vas peut-être prendre quand même une portion. Et il commence quand son taf? Lui, il faut qu'il fasse. Attends, niveau 2 de compétence malice. Oh la vache, ouais, enfin, il faut qu'il soit un enculé, quoi. Lui, il a pas Bah, appelé pour faire sport, en il peut fait. commencer à faire de la malice sur Pour la qui? meuf, ouais. Ouais. Et lui, il doit appeler pour devenir sportif, tu vois. Ah ouais. Genre.
Trouve un emploi, c'est où? Trouve un emploi. Trouve un emploi. Oh oh! Ils sont mignons! Ils sont tellement mignons tous! Faire une accolade virile à quelqu'un, enlacer quelqu'un. Putain, il est chaud bouillant! Hein. Il est un peu homo-érotique quand même. Un petit peu, ouais. Faire la connaissance de Dap. Alors voyons voir. Faire la connaissance de Dap. Faire connaissance de Dap. Voilà. Donc vous voyez, il mange et en même temps il fait la connaissance avec lui. Bam, ça va claquer ça. On sait sur la musique de Shanifi, on n'en a pas pour l'instant, on est pauvre. Et hop, vous voyez, bam. Tout facile. Tout facile. Et comme on est en plus face à la télé, mais à regarder. Un day, il va juste faire regarder la chaîne cuisine. Qui fait que pendant que tout le monde est en train de manger, ils vont non seulement se divertir, parce que regarder la télé c'est cool, mais en plus, lui va apprendre la cuisine. D'ailleurs, tu peux lui, ouais, voilà. Tu peux lui faire la vaisselle comme ça. Ouais, il faut qu'il fasse trois fois. Il faut qu'il fasse trois fois la vaisselle. Pendant, il va faire la vaisselle de tout le monde. Dès que quelqu'un a terminé, il va se jeter sur l'assiette. Tu pourrais en fait ranger les sandwichs au fromage. Ouais. Attends, je nettoie toutes les assiettes les unes après les autres pour que ça fasse trois lavages. Et après, bam, vas-y, comme je vais ranger ça, histoire que ça va être la maman. C'est la maman. La maman ours. Dap. Alors Dap. Mais il n'y a pas en même temps sportif. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a astronaute. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à la place? Ranger de l'espace quand même. Ouais non, mais pour ça, faut être sportif quoi, arrête. Musicien, humoriste. Base. Criminel. Agent secret. En même temps, criminel. Il pourrait être ouais. Agent secret quoi. Ou auteur. Il va faire son blog. Ah, mais il peut être un bon écrivain ou journaliste. Un journaliste. Mixologue, sinon je l'aurais vu en mixologue, mais là non, il y a déjà. Franchement, agent secret, moi j'aime bien. Agent secret. Il fait hein. Soit agent de diamant. De toute façon, agent secret, il faut être vachement. Ouais, agent de diamant ou méchant. Ah, moi j'y serais agent diamant, lui il est gentil, ouais, tu vois. Ouais. Lui c'est pas un bad boy. Dap homo, dap homo. L'inceste, mon dieu. Quelqu'un va me suivre, merci, merci. La vraie question que je me pose est est-ce qu'il faudrait faire un vote, c'est qui va claquer en premier? Moi. Hop, Dap, agent secret. Complètement. Et on prend tout de suite Pindé qui va nettoyer la troisième assiette. Et ça lui permettra de faire ça tranquille. Voyons voir, lier une amitié. Améliorer la compétence cuisine. Ben juste après, tu vas regarder la chaîne cuisine. Ça va améliorer ta compétence. Qu'est-ce qu'il te faut, toi? Se faire un ennemi parce que t'es malveillant. Enlacer quelqu'un. Ouais, il est un peu bipolaire quand même entre, ouais, ouais. Entre enlacer quelqu'un et avoir un ennemi. Pour railler. Non, en fait, lui, ce qu'il doit faire, c'est. Il doit faire quoi? Il doit atteindre le niveau 2 de la compétence malice. Malice, ouais. Et là, 1 sur 2 déjà. Hein. Mais malice, je crois que quand tu trolls sur les forums, tu peux l'avoir. Donc il va faire ça. Tu éviteras de s'embrouiller avec tous les autres. Voyons voir. Si tu fais. Non, c'est écrire. C'est dans quoi? Écrire des blagues? Non, c'est pas ça. C'est dans quoi? Web, regardez bien, problème sur Flavor, nécrologie, putain. Discuter, troller les forums. Voilà, discuter, troller les forums. Et Dap, il est là, donc il a envie de taquiner quelqu'un, de devenir énergisé, de faire une accolade virile. Voilà, taquiner, faire l'imbécile. Faire une accolade virile. Non, bon, en attendant, il va rien se passer, t'es tranquille. Et toi, voilà, t'as juste envie de te lier dans l'amitié. Bah voilà, vous allez devenir super potes. Donc vous illuminez la journée, vous complimentez sincèrement. Genre, Dap est joueur. T'as des beaux muscles. T'as des beaux muscles, toi, tu sais. T'as niveau 2 de malice pour troller sur les forums. Ah, pourtant, il a l'air de le faire, hein. Non, il le fait. Et niveau de malice, 1 sur 2. Et là, il prend son niveau 2. Bam, tranquille. Par contre, là, ça a l'air, les cocos. C'est l'heure. Donc, très bon début. Très bon début sur les Sims. Pour ceux qui regardent comme dit ça sur YouTube, ben désolé, j'ai un petit peu raté l'enregistrement, mais c'est pas grave. Là, vous avez au moins la partie qui commence doucement, avec toujours les gens qu'on laisse dehors parce qu'on les aime pas trop, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là, elle est... Ouais, je sais pas. Alors, non, depuis tout à l'heure, je viens. Et puis elle fait... Regarde ce qu'elle fait à la porte. Elle était là, en mode... Bah ouais, elle se dit, peut-être qu'en montrant mes bouses, ils vont m'ouvrir, ces connards. Et voilà.
Les gens, ils marchent de manière complètement con aussi. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Passe-partout. Et du coup, on se retrouve demain pour la suite, encore une fois, 12h40 jusqu'à 14h. Ah, il est là en plus, là, mon gros chinois. Oh putain, Jean-Michel. Mon gros Jean-Michel. Il est quand même assez beau gosse, hein. Salut. Il a son petit gilet qui fait bleu. Ouais, qui merde, qui passe par-dessus tout. Donc voilà, rendez-vous demain. Suivez-moi sur Twitter dès que vous voulez avoir de nouveau des news sur ce qui se passe ou si vous voulez pouvoir voter après tranquillos. Et moi, je vous dis à demain pour la suite. Gros bisous à tous. Salut.